Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi et quand on est vendredi, on est content généralement. Vendredi 12, donc ce soir c'est le week-end, ça c'est cool. Et ce soir, Koh-Lanta reprend pour une nouvelle saison, donc ça c'est cool avec des nouvelles règles, donc ça c'est encore plus cool. Donc ça c'est génial. Comme vous le savez, je regarde très peu la télé, je suis très branchée séries, Netflix, tout ça. Mais par contre, Koh-Lanta c'est mon dada. Voilà. Donc c'est cool. Bon voilà. Donc depuis l'autre fois, bah, pas grand chose de nouveau. Non, voilà. Dimanche, on est invité chez ma belle-sœur. Donc c'est cool. On est bien contents. En fait, toutes les semaines, on fait quelque chose avec la famille et on fait tout en... Comment dire, en petit comité en fait, pour éviter de se regrouper à trop. Mais comme ça, voilà, on est quand même contents de se voir. Mais on évite les rassemblements, il y a trop de monde pour la situation. Et donc là, dimanche là, donc c'est mon anniversaire en plus, donc on va fêter mon anniversaire là-bas. Et... ouais, c'est ça. Donc ce dimanche là, on va chez ma belle-sœur, et le dimanche d'après, on va chez mon parrain et ma marraine. Donc voilà, tous nos dimanches sont... enfin tous nos dimanches. On a fait pas mal de trucs là, les dimanches, sur mes parents, mes beaux-parents, ma belle-sœur, voilà. Voilà, comme ça, ça permet de voir un peu tout le monde. Et c'est cool, il faut quand même en profiter, on fait toujours attention de toute façon, voilà. Rassurez-vous sur ce point. Donc voilà. Ouais, sinon, j'avais envie de vous parler d'un truc, enfin, peut-être que vous en foutez grave, comme de votre première chemise, mais je vais vous en parler quand même. Il s'agit d'une commande que j'ai faite en fait. J'avais fait une commande, alors j'en ai reçu une autre, donc je vais vous la montrer, mais je vais vous montrer d'abord une commande précédente. J'ai commandé sur le site Santé Discount, c'était la première fois que je commandais dessus, il y a des trucs super sympas, moins chers. Alors, moins cher, parfois c'est le même prix, parfois c'est moins cher, enfin bref, j'ai commandé sur Santé Discount et j'en suis très contente. Et notamment, je me suis commandé, je ne les ai pas encore testés. Hop. De me positionner, je vais du soleil. Je me suis commandé un gel douche comme ça, énergie fruit bio, pH neutre, aloe vera bio et fleur de tiare. Voilà, 200 millilitres, 3 euros. Non, 3,29 € il me semble. Oh, je sais plus sur celui-là. Et je me suis commandé un shampoing sec de la même marque. Énergie fruit, fleur d'oranger et mon oeil, celui-ci. Moi, je suis assez adepte des shampoings secs. En ce moment, j'utilise un que j'aime beaucoup, c'est le Ultra Doux de Garnier. Les shampoings secs Baptiste, par exemple, qui sont assez connus, j'aime pas du tout parce que ça faisait des traces blanches, je trouve. Alors que le Garnier, pas du tout. L'énergie fruit, j'ai pas testé encore. Donc voilà. Et. J'avais pris aussi quoi? J'avais pris autre chose. Ah oui, j'avais pris un gel douche, le petit Marseillais au lait. Voilà, tout simple, classique. Et donc là, j'ai reçu, je vais vous montrer. Pas vite fait. Hop. Hop. Message. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Normalement, vous êtes installé. Bon, c'est pas terrible, mais. Voilà. Donc, en fait, j'ai repassé une commande sur Santé Discount. J'ai repris. Alors, ça, c'est pas. J'ai pris ça pour Alexis. C'est une grosse contenance. C'est de l'eau micellaire, en fait, de la marque Noreva. Actif pur, micellaire purifiante, sans rinçage. En fait, il avait des problèmes d'un peu de peau trop grasse. Enfin bref, donc j'avais été à la pharmacie et il m'avait donné, enfin vendu celui-là, mais en 250 ml. J'avais pas vu que c'était un 500, bah c'est cool. Donc j'ai acheté celui-là. Enfin, je lui ai racheté parce que l'autre est presque vide. Il reste un fond, quoi. Donc voilà, et comme ça lui convient bien, qu'il en est content, je l'ai racheté. Voilà. C'est un gros packaging. voilà.
Et en fait, donc je vous ai montré le Energy Fruit gel douche, le Energy Fruit shampoing sec, et je me suis acheté le shampoing soin Energy Fruit. Hop. Huile de monoï et macadamia bio. 95% d'origine naturelle. Là, là, là. Donc voilà, c'est cool. Allô, allô, luminosité. Hop. Et je me suis repris un truc. J'ai repris ça de chez L'Oréal. Alors pour ceux qui s'en souviennent, j'avais fait un haul L'Oréal l'année dernière, je crois. Je sais plus comment, à quelle période. C'est un soin liquide hydratant 72 heures. Donc gras plus peau fraîche et éclatante, eau d'aloe et acide hyaluronique. Peut-être que si je vous montre la boîte, vous allez vous en... Enfin, la bouteille, vous allez vous en souvenir. Voilà. Et ça, je l'ai adoré. Et je m'étais dit que je le recommanderais parce que j'ai fini l'autre. Et je l'adore pour le visage. Il est hyper hydratant, hyper frais, hyper agréable. Notamment quand on a la... Par exemple, la peau un peu chauffée par le soleil, vous avez, voilà, bon, là c'est pas encore le cas, mais ça va pas tarder. Ça fait vraiment un bien de fou et je l'adore ce produit et je le recommanderais sans arrêt. J'ai pris aussi, bon ça, un roll-on apaisil pour les moustiques ou les piqûres en tout genre, je le trouve hyper efficace. Et j'en achète depuis des années et j'en achète à chaque fois. Là il m'en restait un, mais souvent j'en mets un dans la chambre d'Alexis, enfin un pour Alexis, un pour nous. David n'utilise pas, mais voilà. Et j'ai fait un peu du tri dans mes crèmes solaires. Il y en a, alors il m'en reste certaines, mais elles sont un peu vides. Enfin, elles sont un peu vides. Ce que je raconte. Elles sont presque vides, oui. Et en plus, elles datent d'il y a 2 ans. Et je pense que je vais les balourder. Du coup, j'en ai racheté. Et voilà. Donc j'en ai pris une de la marque Uriage SPF 30, brume sèche, haute protection. Alors vous allez vous dire, on achète de la crème solaire maintenant, mais oui, parce que au mois d'avril on part, s'il fait beau en Normandie, on s'est déjà vu, surtout qu'Alexis se tapait des méga coups de soleil à force d'être dehors toute la journée, et voilà. Et donc la 30 c'est pour moi, moi je mets de la 30 généralement, et j'ai pris ça de la gamme Vichy, c'est de la 50 pour Alexis, Capital Soleil, brume hydratante invisible aussi, effet fraîcheur, toucher sec, avec le lait apaisant après. Ça fait je sais pas combien de temps que je parle, bref. Et le lait apaisant après soleil, voilà. Donc il y avait une promo là-dessus je crois, j'ai plus les prix. Faudrait que je regarde, mais voilà. Donc je suis super contente de ma commande. Et je vais pas tarder à me reconnecter. Donc je vous montrerai, j'ai acheté un autre truc, je vous montrerai après. Qui n'a rien à voir avec ça en fait. Hein. Voilà, je vous reprends, c'est la pause déj. Je vous ai un peu coupé la chic tout à l'heure parce que je devais me reconnecter et que voilà, je n'aime pas déconner quoi. Alors Alexis, quand il est à la maison, il aime bien avoir un gros gilet en ce moment. Moumouté. Ouais, gros gilet mouté pour être bien au chaud, tout ça, bref. Et celui qu'il a actuellement, bah, c'est du 16 ans, donc il est un peu petit. Ah non, c'est du M. Enfin bon, bref, toujours est-il qu'il est. Ça lui va encore, mais il est tout comme ça, quoi. Il est engoncé, enfin, c'est horrible. Et donc j'ai regardé et j'ai trouvé celui-là. Je l'ai commandé à la Halle. Je crois que c'était complètement fermé, la Halle, moi, mais en fait, voilà. Enfin, le site internet est toujours actif. Et c'est un Liberto. Il était à la base à 40 euros. Et il était en promo à 19,99. Donc j'ai dit. Donc voilà, je le trouve vraiment beau. Et. Donc il y a une capuche. Après, ça peut être un gilet d'extérieur aussi. Enfin, il le mettra quand il veut. Mais. Donc il y a des poches. Et. Voilà. Il est moumouté comme ça, tout doux. Et ça, il l'adore. Il sent bien. Cocooning. Et voilà, je le trouve super beau. Je l'ai pris principalement, enfin principalement je le trouvais beau, mais si j'avais dû le payer 40 euros, je l'aurais pas acheté en fait, pour être honnête. Mais à 19,99, je me suis dit, ça vaut le coup. Voilà, donc c'est cool.
Donc j'ai reçu pas mal de commandes aujourd'hui. Je vais commander son cadeau d'anniversaire que j'ai reçu aussi. J'en trouverai ça en temps en heure. C'est le 25 mars, son anniversaire. Moi, pour mon anniversaire, j'ai demandé à David, comme j'ai principalement tout, enfin je veux dire, j'ai besoin de rien de spécial, j'ai demandé à David que mon cadeau, ce soit un week-end en Normandie ou n'importe où, un week-end quoi. Tout frais payé par David. C'est bien ça. Et donc voilà, ça sera évidemment pas fait le jour J, le week-end du jour J, puisqu'on n'est pas là de toute façon. Mais dès qu'on peut, dès qu'il fait beau, dès que voilà, ça sera mon cadeau d'anniversaire. On fait ça souvent, enfin souvent. Quand on ne sait pas quoi s'offrir, on s'offre l'un l'autre des week-ends. Enfin bref, c'est plus voilà. C'est bon, normalement il y a resto et compagnie, mais là ça va être tant d'axes pour les restos et compagnie. Mais... Donc voilà. Voilà, je vais me prendre. J'ai mangé hein, déjà. Je suis remontée pour filmer ça. Je vais me prendre un petit café vite fait, puis je vais me reconnecter. J'ai racheté des shorts à Alexis aussi parce qu'en fait on a fait. On a essayé ces shorts. Et ça, c'est les shorts, oui, c'était du 16 ans, ça lui va plus du tout. Et... Voilà, et j'ai repris des shorts tout simples. Chez qui habille cette fois? Je les ai reçus hier, ceux-là. Hop. Bon, c'est un peu le bordel, mais. Donc lui, il aime les shorts... Alors, il aime pas les shorts trop longs, mais il aime pas les shorts trop courts. Donc, voilà, j'ai pris ça. Il aime les shorts tout simples. Voilà, donc petit short comme ça. C'était 8 euros, ça. Des petites poches. Voilà, un noir, un rouge pour l'instant. Peut-être que j'en rachèterai d'autres. Il y avait deux autres couleurs qu'il aimait pas trop, mais peut-être que je reprendrai un noir. Donc voilà. Et je lui ai racheté aussi un short de bain. Voilà, il a choisi cette couleur-là. Donc nickel. Donc voilà, je me suis passé. J'ai passé pas mal de commandes ces derniers temps. Mine de rien, mais bon, voilà. Vive internet. Ça m'évite d'aller traînailler dans les boutiques. Voilà. Du coup, pour Alexis, je trouve ça compliqué des fois de choisir des vêtements au niveau de la taille, parce que généralement, j'aime bien qu'il essaye avant quand j'achète. Sur internet, c'est évidemment pas possible. Mais par contre, je me suis rendu compte, c'est un peu comme quand moi je commande sur Shein, c'est que quand on suit bien le guide des tailles et qu'on prend bien ses mesures, on a peu de chances de se tromper. Je trouve. Donc là, c'est ce que j'ai fait pour les shorts. J'ai mesuré le tour de hanche, tout ça. Pour le gilet, j'ai mesuré là le tour de poitrine. Voilà, comme ça, et c'est tombé pile au poil. Alors, le gilet, ouais, j'ai hâte qu'il essaye. Enfin, voilà. Bon, allez, je vous dis à plus. Bon, je pense que je vais clôturer ce vlog là parce que je pense que niveau, j'ai pas encore mis les fichiers sur l'ordi, mais. Je pense qu'au niveau minute ça devrait aller parce que je pense que je vous ai montré. Que je vais clôturer là et c'est même sûr en fait. Et comme ça ce soir dès que j'ai fini mon taf, je fais le montage, je la mets en ligne, paf paf paf, ni vu ni connu, je t'embrouille et c'est génial. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.